C'est génial. Hey, bonsoir, hein, Patrick Sébastien. Salut ma couille. C'est génial. Et je vais vous dire, c'est le meilleur public du monde, la Belgique. Je vous adore. Ouais. C'est génial. Eh ben, merci. Génial. Et j'aime tellement la Belgique que ce soir, j'ai une petite surprise pour vous. Ah oui? Ouais, je me suis fait la tête de Mannequin Peace. Je suis allé voir mon ami Frédéric François, je lui ai pissé dessus. On a les images. Non, c'est pas nécessaire. Merci Patrick. C'est pas nécessaire. Et ils ont même mis un mec qui a fait ma tête ce soir. Ouais. C'est génial. Je me suis déguisé en toi. Ah bah alors c'est le grand bluff là. Ah putain, c'est génial. Putain, vas-y. Non, putain, c'est génial. C'est pas mal. Vas-y. Tu le fais mieux que moi. Putain, c'est génial. Ah, c'est pas terrible. Non. Il est pas. Mais il est bon quand même. Ça va. Et ce soir. Ah, il y a même mon ami Michou. Oui. Regarde celui-là. La gaieté incarnée. Et la gaieté incarnée. On était le chercher un menton. Et je vais vous dire, j'adore votre émission. Parce que votre émission, c'est la fête. Oui, je comprends bien. L'orchestre, c'est pas obligatoire tout le temps. Hein, non, tu rigoles, attends, ça c'est mon copain, René. C'est René. C'est René. Je les ai rencontrés à Fontainebleau, dans une petite guinguette, dans les années 80. Oui. Hein, c'était génial. Et c'est des bandasses. Et moi, j'adore les bandasses. Oui, d'accord. Alors, quand je regarde Livia, je suis encore en train de bandasse. Oui, et ça, c'est la fête. Non. Si tu pouvais fermer ta gueule. Non mais c'est quand tu dis c'est la fête, moi je démarre la fanfare. C'est ça qu'on avait dit comme mot clé. Oui. C'est la fête, mais on démarre la fanfare. Oui. Voilà. Mais je t'explique, mon Jean, parce que c'est un code entre nous. Oui, non, mais j'ai bien compris que c'était un code, mais. C'est un code entre nous. Et ça bouge. Le signal. Oui. Le top départ, c'est quand je dis aux musicaux ce mot-là. Et les musicaux savent que quand je dis le mot fête. T'as dit fête. Non mais. Nous on démarre la fanfare quand tu dis fête. C'est ce qu'on m'avait dit. Justement dans les couilles, tu m'as dit quand tu dis fête. Venez. Je les adore, c'est génial. Non mais, René, je t'explique. Je disais juste à mon copain Jérôme, oui. Hein, comment fonctionnait la dynamique. C'est pour ça que j'ai dit le mot fête. Ne le dites plus. Écoutez, on a une interview à faire là, sincèrement, donc on va pas s'en sortir. D'accord. Je peux intervenir. Oui. Vous avez une interview à faire. Fête. Et c'était pas répété. Il a dit fête, c'est qui le patron? C'est toi le patron, mais lui il a quand même dit fête. Et on n'avait pas répété. Nous quand on dit fête, on démarre la fanfare. Quiconque ici dit fête, on démarre la fanfare. Ne dites plus fête, d'accord? Comme ça c'est terminé. On ne le dit plus. Tu sais que... Non, il va faire un jeu de mots tu et ça va partir. Tu sais que tu es parfaite. Arrête,
Bon, donc là, l'orchestre de René qui colle, là. Bon, à un moment... René qui colle René, oui. René, il faut arrêter. Oui. Tu casses les couilles à tout le monde. Et à moi le premier. Alors, c'est terminé, vous parlez. Bon, alors... Donc, Patrick, c'est une super fanfare. Ouais, c'est une fanfare, mais c'est une fanfare super, mais qui casse un peu les couilles. Oui, non, mais ça, j'ai bien compris. Et surtout, ils ont été jetés du concours Reine-Elisabeth à cause de l'intelligentsia de la musique classique. Tu trouves ça normal, toi ? Non, je trouve pas ça normal, non, pas du tout. Non, mais vous mettez l'ambiance partout où vous allez, Patrick. Hein. Évidemment, je mets l'ambiance partout. Mais ça, c'est parce que j'aime les gens, mon pote. Ben oui. Hein, j'aime les gens, et puis j'aime la Belgique. Parce que la Belgique, c'est cool, on peut tout dire, bordel, ici. C'est vrai. Hein, c'est vrai, en France, on peut plus rien, parce qu'on tombe directement sur les féministes, les wokistes, et tous ces mots à la con, en ist, qui m'attristent. C'est joli. D'accord. Moi, je peux être un peu poète à mes oui, non, mais j'ai bien compris que la poésie, ça marchait moins bien que la grosse caisse, hein, on est bien d'accord, c'est très beau. Alors, vous disiez qu'on peut tout dire, alors... Bah, évidemment, on peut tout dire, puis on peut tout faire en Belgique, c'est ça qui est génial. Oui. Hein, par exemple, si vous voulez, je vous montre comment j'imite Serge Gainsbourg avec ma bite. Non, ça ira. Non, Patrick, ça ira. C'est con, parce que c'est super marrant, je mets une clope dans ma bite. Et il se marre parce qu'il sait pourquoi. Il raconte que des conneries. Mais je sais bien. Il m'est arrivé de me plaisanter avec ce genre de choses. Et cet enfoiré m'a demandé de lui faire cet après-midi. C'est ça. Ah, j'étais choqué, mais je vais vous le faire. Non, vous ne le faites pas du tout. Vous vous asseyez. Patrick, merci quand même. Si tu veux, je te fais Macron avec mon cul. Non, vous faites rien du tout. Bon, alors, Patrick. Oh, on peut plus déconner. Non, vous venez de sortir un nouveau livre, La Nostalvie. Ouais, alors, La Nostalvie, ça... Et là, j'ai envie qu'on soit sérieux deux minutes, là. Oui. Parce que, si tu veux, La Nostalvie, oui. C'est la nostalgie pas triste. Oui. Hein? C'est les souvenirs d'avant qui nous rendaient heureux, puis qu'on essaie de retrouver pour construire le futur. Oui. Ces petits instants qui ont disparu et qui nous manquent. Comme par exemple... La petite pipe avant d'aller au lit. C'est magnifique, c'est pour ça que je vous dis, il faut vivre les moments de maintenant. Hein, parce que la vie est une fête. Mais non. L'orchestre de René qui colle, là. Je veux dire, il y a un temps pour tout, ouais, Patrick. Il y a un temps pour tout, là, c'est le temps pour l'interview. Ben oui, Patrick, à l'occasion de la promo de ce livre, vous avez raconté une anecdote assez étonnante. Quand vous allez à l'hôtel, c'est dans votre bouquin, ça. Ouais, ça j'adore, parce que si tu veux, c'est bien symptomatique des moments qu'on vit actuellement. Oui. Hein. Et ça, c'est mon avocat qui me l'a dit. Il m'a donné ce conseil, il m'a dit, quand tu vas à l'hôtel, tu dois toujours te filmer, oui. Et filmer la femme de ménage quand elle rentre, au cas où elle se barre en criant. Hein, pour qu'on t'accuse pas des pires atrocités. D'accord, et vous filmez quand et tout se passe bien. Ouais. Le problème, c'est que la dernière fois que je l'ai fait, elle s'est quand même barrée au client. Ah bon, mais pourquoi ? Pour déconner, je me suis fait la tête de Dominique Strauss-Kahn. Ah ouais, d'accord. Je peux te dire que comme Nafissatou Diallo, elle l'a eu un petit peu en travers de la gorge. Oh, d'accord. Oh, franchement, bon. Attends, une minute, parce que là, je te regarde, et je me dis, putain, je suis sûr qu'avec ma couille droite, je pourrais faire ta tête. D'accord. Bon, Patrick. Je monte. Non, rasseyez-vous. Bon, si on pouvait arrêter deux minutes les blagues sous la ceinture. Ça serait bien, parce qu'il n'y a pas que. Moi, je connais Patrick Sébastien. Mais totalement, il y a pas que ça. On est bien d'accord, s'il vous plaît. C'est quand même une émission qui a une certaine élégance, une certaine tenue, de la classe même, mais je dirais. Mais c'est vrai que t'as quand même une tête de couille. On peut dire que c'est un état de fait. Ta gueule, René ! T'as dit fête ! Putain, genre, oui. Ta gueule ! Oui. Bon, votre bouquin... Tu sais que je t'adore, mon pote, mais ferme ta gueule. Si tu pouvais fermer ta gueule. Patrick, votre bouquin, là, alors... Ah, ben voilà, merci. Votre bouquin, alors. Ah, ben oui, ben allez voir mon bouquin, parce que c'est le remède, c'est un antidépresseur. D'accord. Hein. C'est la recette ça, contre la dépression, hein. Tu vois, je suis pas en train de dire des conneries. Non. Ben voilà, tout simplement. Moi, je suis dans le positif. Dans la victoire, alors que d'autres sont dans la défaite. Exactement. Ah, il n'a pas réagi. Oh ah.
arrêtez. On va aller. Bon, alors votre non. Je vais juste terminer. Merci, mon patoche, merci. Oh, là, était bon, là. Non, mais attendez. Et c'est pas répété, hein. Ça, ça, je crois que les gens s'en rendent compte. Hein. Honnêtement. Allez, je vous fais ma sortie. Musique. T'as pas dit c'est la fête. Ben ouais. Oh putain, il a raison. Eh ben, oui. C'est la fête. Eh ben, merci.